vous présenter le coin lecture. Alors, le coin lecture est un moment pour se reposer, pour regarder un livre. Des fois, on se rassemble là pour discuter qu'est-ce qu'on va faire. Des fois, on dit ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Maintenant, nous allons passer au coin garage. Garage. Alors, le garage, c'est un endroit où on peut jouer à la voiture. Donc, les garçons, il y a quatre, des fois des filles, mais des garçons. Il y a quatre là, les voitures, les châteaux. Dis-moi. Voilà, c'est un gros jeu où en fait il faut arriver à la case départ. Et il y a des pièces, il y a des affaires. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était amusant quand on prend le pique-nique. On avait des puzzles à faire, on a fait des cabanes. Adam, pour toi, c'était comment le centre de loisirs? Très bien. Qu'est-ce qui t'a plu? Le cirque. Le cirque. Alors, t'as fait quoi aussi? Aujourd'hui, on se retrouve au chapiteau. Alors, un nouveau chapiteau est installé pendant 5 mois, je crois. Et dedans, on va faire pour faire du cirque. Il y a trapèze, fil, voilà, jonglage, plein d'autres choses. Là, il y a des enfants qui sortent. Oh la vache! Donc voilà. Donc maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur pour aller voir. Ah non! Alors, à l'intérieur du chapiteau, on a les boules là qu'on voit. Tous les vendredis après-midi, bon, on fait coin nature avec Annabelle. Par exemple, on avait fait un petit panier l'autre jour. Ouais. C'est dit. En jeu. Donc là où on vient de manger, donc maintenant on va vous présenter le rangement. Donc suivez-nous. On va y aller vers la vaisselle.
Après, on fait des goûters, ou des fois avec Anna, on fait des jeux ensemble quand il y en a qui vont pas au cirque. Ouais. On fait des jeux avec Anna et puis ensuite on joue par exemple à l'étang. On fait plein d'autres jeux.